Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, toujours les exercices sur les pièces en tant que faiblesse tactique. C'est une partie qui a été jouée entre Salomon et Bernstein. Et c'est au noir à jouer, et ceux-ci peuvent gagner une pièce. Cet exercice est un peu plus facile que le précédent, je vous laisse réfléchir. Alors, les blancs ont joué simplement B5, qui attaque à la fois le cavalier et la dame. Et ceux-ci jouèrent dame C5. Et ils jouèrent alors, qui attaque la dame, bien sûr. Alors ils jouèrent tour D6, qui bloque cette attaque. Et donc, le cavalier est perdu. Il ne peut pas reprendre sur un échange de dames, par exemple, ni s'enfuir. Il n'a pas de case parce que simplement il y a la menace tour D1 échec qui fait que si le cavalier se retire par exemple ici tour D1 échec et la dame prend la dame donc le cavalier est condamné. Une prise de pièce un peu subtile mais pas très difficile. Voilà, prochain exercice dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.